Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est votre vidéo préférée de la semaine, en tout cas sur ma chaîne. Comme d'habitude, c'est le journal créatif de la semaine. Nous sommes au numéro... Oh, j'ai oublié d'allumer. Merci Fifi de me montrer la lampe. Fifi me montre la lampe parce que j'avais oublié d'allumer. Nous sommes au numéro 64. Voilà. Bon, on va attendre que madame s'installe. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés à la chaîne. Bienvenue à vous. J'espère que les vidéos que je propose vous plaisent. Voilà. Bon, il y a notre petite mascotte hein, qui est là. Qui faisait dodo comme d'habitude. Mais maman, elle a dit le mot vidéo. Et vidéo, Fifi, à court. J'ai le droit aux bisous. Alors, le journal créatif de la semaine, comme vous le savez, je vous montre tout ce que j'ai pu faire dans la semaine. En broderie, tricot, crochet ou autre loisir créatif, si j'en ai fait d'autres dans la semaine. Donc, ça peut être du diamond painting, du coloriage, voilà. Ou autre chose, qui sait. alors, comment se déroule ma semaine à chaque vidéo, à chaque journal créatif? Je fais tourner ma roue pour savoir quelle broderie je vais faire dans la semaine. Voilà. En sachant que j'ai des broderies obligatoires. Bon, c'est un grand mot, hein, mais ça veut juste dire que c'est mes duos, trio ou en groupe. Et que cela, bah, chaque semaine, je travaille dessus, obligatoirement du coup. Et ensuite, j'ai sur le tirage de la roue, je tire des broderies. T'as mangé une croquette, c'est tout. Je tire au sort des broderies et voilà. Donc, j'en tire toujours un petit peu plus au cas où j'aurai un peu plus de temps. Mais voilà. Donc... ma semaine se déroule aussi le lundi, c'est une seule broderie. Je fais la broderie du lundi et j'essaye au maximum ce jour-là de faire une broderie qui est presque terminée ou qui a besoin d'être vraiment avancée parce qu'elle est très très en retard. J'essaye de, si les broderies sont à jour, j'essaye de ne pas les prendre le lundi. Mais quand je vois qu'une broderie doit se terminer, ben je prends celle-là. Et sinon, ben, s'il y a une broderie que je n'ai pas touchée depuis longtemps, ben, je vais la mettre le lundi pour avancer un peu plus. Le mercredi, c'est le HAED du mercredi. Donc là, pareil, on brode, enfin, je brode, mais je dis on parce que maintenant, on est plusieurs à faire la même chose depuis que j'en ai parlé. On travaille sur un HAED sur la journée. Donc, on ne fait pas d'autres broderies, on ne fait que le HAED. Voilà. J'ai également mon petit challenge, perso qui est de faire minimum 3000 croix par semaine. Et je vous dirai donc à la fin des présentations de broderie, je vous dirai si j'ai réussi mon challenge cette semaine. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai les grandes lignes sont dites. Ouais, c'est bon. Alors... une broderie terminée. Vous devinez laquelle? Alors, elle n'est pas encadrée. Elle n'est pas encore repassée. Mais c'est pas grave. Je vais m'en occuper cette semaine. Mais j'ai pas eu le temps là. J'ai même encore
le scotch de peintre qui est dessus. Voilà, moi, c'est ce qui me permet de faire mes bordures. Voilà. Au lieu de faufiler, je mets ça. Comme ça, ben, je suis tranquille. Vous voulez voir qu'est-ce que j'ai terminé? Oui, j'ai fini ma grenouille. Ça y est, elle est terminée. Alors, je ne saurais plus vous dire la date de début. Parce que ça faisait un petit moment qu'elle était commencée. Et au moment où je l'avais commencée, j'avais oublié de marquer la date. Donc, je ne sais plus quelle date. Mais je crois que ça va... Je suis pas loin d'être un an dessus, je crois. Je ne sais plus. Voilà, mais elle est terminée. Je suis trop contente. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle de poussière d'étoiles. Voilà, donc que vous retrouvez dans sa boutique. Le lien de la boutique est en permanence hein, en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Alors, j'ai fait une petite erreur. C'est même Sabine qui me l'a fait remarquer parce que j'avais même pas vu. J'ai pas fait attention et je sais pas comment j'ai fait mon compte pour faire l'erreur, mais c'est pas grave. J'aime bien Sabine, ce sera ma petite touche perso, comme d'hab. La fleur, ici, je lui ai mis du vert. Il fallait pas mettre de vert. Mais bon, la grenouille est verte, ma fleur est verte, donc ça va. C'est pas très, très grave. Mais voilà, je suis trop contente qu'elle soit finie. Alors, je vous fais peur en vous montrant le dos. J'aime bien, c'est rigolo. Voilà, il est moche mon dos, très très moche. voilà, mais bon. Je n'ai plus qu'à bah, du coup à la repasser, à l'encadrer. Mais ça, je vous dis, je le ferai dans la semaine. C'est pas très 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 urgent. Hein. Elle n'est plus à une semaine près, cette pauvre grenouille. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer en même temps ce qu'il me reste de fil pour vous montrer à quel point Sabine est généreuse en fil sur ses kits. Hop. Là, après, je vais les bobiner pour les récupérer, bien sûr, parce que là, je ne vais certainement pas les jeter. Hein. Voilà tous les fils qu'il me reste. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez, je peux refaire une grenouille, là. Là, je peux refaire une grenouille. Non, mais c'est vraiment top. C'est vrai que Sabine est très généreuse en fil avec ses kits. Et ça, c'est vraiment tip-top. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Il y avait des belles couleurs, hein. C'est chouette. Je vous les remontre là aussi. Donc ça, j'ai gardé la feuille avec les références. Comme ça, je vais les bobiner. Et puis, ça me servira pour d'autres broderies, hein, sans souci. Voilà. Donc ça, je vais le faire dans la semaine. Ou peut-être demain. Tiens, je le ferai peut-être demain en faisant le montage de la vidéo. Je vais les bobiner puis comme ça bah, ce sera fait. Je vous la remontre parce que je suis trop contente qu'elle est finie. Et ben écoutez, en ce moment ça se termine hein, les broderies, c'est chouette hein. Alors, je vais la plier sur l'envers pour pas qu'il y ait de, on sait jamais qu'il y aurait une tache ou quoi. Donc voilà, une broderie de terminée. Je suis trop trop contente. Alors, ah, Fifi, s'il te plaît, ma grenouille. Oui, mais attends, maman, elle voudrait regarder. Il y a ma croche, 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 mes mères. Oui, dis-moi, dis-moi, maman. Oui, maman. Hop là. Hop.
rêve lequel revient. Un vrai clown, ce chat. Un vrai clown. Ben oui. Mais maman, les copains et les copines, ils veulent voir mes broderies. Ils aiment bien te voir aussi. Mais ils aiment bien voir mes broderies aussi. Tu vas aller faire dodo? Allez, va voir là-bas ce qu'il y a. Allez, mon bébé. Oh, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine, à part ma greu... Ça va? Elle a décidé. Elle aime bien venir. Bon, ben, reste comme ça, c'est bien. Attends, je vais pousser mon verre, parce que je ne voudrais pas que tu le fais tomber sur mes broderies. Là, je crise. donc, ma grenouille. J'ai fait 802 croix pour le terminer. Voilà. Donc, en tout, il y a eu 9390 croix de broder sur cette broderie. J'ai également, donc le même jour, j'étais lancée. Je me suis dit, allez, hop, on y va. En avant Guingamp. Vous allez voir que je ne l'ai pas là. Si, je l'ai là. Oh, pas, je ne l'ai pas oublié celle-là. Ah, elle est tout en dessous. Oh, tu me fais quoi, Fifi? C'est Fifi, hein, que voulez-vous? Alors, j'ai travaillé sur mon Fox pendant deux jours. Lundi, malgré que lundi je ne prends qu'une broderie, mais comme j'avais fini ma grenouille, j'ai dit, oh allez, encore un petit peu de temps, on va rebroder quelque chose. Donc j'ai sorti mon Fox. Voilà. C'est The Fox de Cottage Garden. Bon, Fifi, s'il te plaît. donc, j'ai brodé dessus lundi et mardi. Voilà. Il a retrouvé ses petites papates. Voilà, j'ai fait les petites papates. Il y avait le bas de la cuisse à faire aussi. Là, il manquait 2-3 points que j'ai mis. L'oreille, je l'ai fait le lendemain. Voilà, donc lundi, j'ai fait les papates, le bas de la cuisse et les 2-3 points qui manquaient là. Et donc, ça m'a fait plus ou moins 400 croix pour faire ça. Et mardi, eh ben, j'ai attaqué la queue. Alors, elle était déjà attaquée un petit peu, hein, la queue. Mais là, j'ai fait tout l'entourage, du coup. Hop, tout l'entourage de la queue est fait. J'ai commencé ici en bas, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai terminé les oreilles, voilà, les oreilles sont finies. Et voilà, maintenant j'attaque la queue. Alors c'est le plus gros morceau, hein, la queue. Ça encore, c'est moins compliqué que la queue. Là, la queue, va falloir que je fasse bien attention. Alors, je me demande, avant de faire... Ben, j'avais commencé là, et là, j'avais fait, mais ça fait un petit moment. Mais je me demande si je ne vais pas faire tout le blanc, d'abord. Je vous montre sur le dessin. Alors, attendez. Voilà. Voyez, il y a comme une branche là, avec des feuilles, on va dire, dans sa queue. Là, en haut, ce sera en gris, mais tout ce qui est là, ce sera en blanc. Alors, je me demande si je ne vais pas faire ça en premier, parce que c'est la partie la plus... Ouais, c'est pas compliqué, mais c'est la partie où il faut être un peu plus attentif. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire toute la branche là en blanc et en gris. Et après je vais remplir. Voilà.
parce que j'ai peur de me planter un petit peu et j'en ai marre de devoir de pénéloper à chaque fois quand il y a des erreurs. Voilà. Alors, par contre, je vous montre. Hop, 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 mes fils. Alors, si vous êtes pour le faire, le fox, les deux couleurs là, prenez-en deux échevettes tout de suite. Je vais regarder les noms. Donc, c'est. C'est de la marque The Gentle Art. Voilà, je vous montre. Et l'autre, c'est pareil. Donc, c'est le Burnt Orange et le Chalk. On a besoin de ces deux couleurs-là. Le reste, c'est du DMC. Je vous conseille d'en prendre deux de chaque. Voilà, ce que je vais vous montrer ce qu'il me reste. Voilà. Il reste pas grand-chose, voyez. Donc, si vous voulez pas tomber en panne, et comme ça, c'est des fils qui sont. Alors moi, je les trouve sur de mère en fille. À poil. Je les trouve sur la boutique de mère en fille. Bon, il doit y en avoir peut-être ailleurs, hein, mais je sais que bon, Univers Broderie, Maison du Canevas, tout ça, ils ont pas. C'est régulièrement en rupture de stock, surtout ces deux couleurs-là. Prenez-en deux d'un coup pour être sûr de ne pas tomber en panne et de ah oh, mince et de pas vous retrouver en rupture de stock. Du coup, moi, cette semaine, j'avais une petite cagnotte sur la boutique de mère en fille, donc j'en ai profité. J'ai acheté que ça. Hein. J'en ai repris, mais pff, je me suis trompée. Bah mince, ah ça y est, je l'ai eu. Oh, c'est pour la fifi, ça sûrement. J'en ai pris deux de chaque, mais bon, c'est pas très grave. Comme j'ai l'intention de faire d'autres cottage garden. S'il y a besoin de cette couleur-là, bah, j'en aurai déjà. Donc j'ai repris le burnt orange. Voilà, donc deux. J'aime bien, il est joli. Alors, vous voyez pas beaucoup les nuances là, mais voilà, là, peut-être comme ça, vous voyez un peu plus. Ouais. Et le chalk. Alors lui, il n'y a pas de nuance. Hein. C'est un blanc, mais. Je ne vais pas vous dire. Voilà, c'est un. Non, non, descends. Descends, mon bébé. Allez, descends, maman. Poup, poup, poup. Descends. Voilà. Il est moins éclatant que le B5200 de DMC. Mais il est très joli. Hein, très joli. Alors, du coup, j'en ai deux comme ça. Et deux comme ça. Alors, je vous dis, comme j'avais une petite cagnotte, bah, je les ai pas payés. Voilà. J'ai eu les frais de port à payer. Mais c'est des fils qui coûtent. Alors, de mémoire, je crois que c'est 2,50 ou 2,90 pièces. Je serais. Attendez, ça faisait 5,60 pour deux, je crois. Alors, 5,60 divisé par 2, ouais, 2,80. Ça coûte 2,80 pour 1. Voilà. Donc, si jamais vous devez faire ce petit fox, pensez donc à prendre ces deux couleurs-là, mais en double. Voilà. Les autres couleurs, c'est du DMC, donc on en a toujours. Puis c'est plus facile à trouver si on tombe en panne. Mais voilà. Et voyez les autres couleurs là, ça va. De toute façon, j'ai. Après, celle que je vais me servir le plus après, ça va être ces deux-là. Sais pas si vous l'entendez, mais ça ronfle dur. Ça va être ces deux-là, ces deux verres-là.
et le blanc. Voilà. Donc, et j'ai encore, voilà, ici la petite cabane, il va encore y avoir du orange, tout ça. Là, dans la queue, c'est pareil, il va encore y avoir le orange. Et puis, du coup, il y a tout le blanc pour faire la queue. Et le blanc, vous voyez, il va y avoir toutes les petites étoiles, voilà, à faire, tout en blanc. J'aime beaucoup ce modèle. Bon, j'ai un petit peu galéré au début, mais j'aime vraiment beaucoup. Pareil, j'ai hâte de le terminer. On verra combien de temps. Bon, normalement, il devrait pas. Je devrais pas avoir encore trop longtemps à le broder pour le terminer. Mais j'aime beaucoup ce modèle. Voilà. Alors, donc, je vous avais dit, lundi, j'ai fait plus ou moins 400 croix. Et mardi, du coup, j'ai refait environ 250 croix. Voilà. Donc, j'ai en tout travaillé cette semaine dessus 4, 5, 6, plus ou moins 650 croix. Voilà. Il est beau, hein? Regardez-moi ça. Ah! Avec ses belles papattes là. Il fait le fier. Non, il est chouette. J'aime beaucoup. Je le regrette pas. Hop. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre. Non, mais je vais plutôt mettre là. Je suis un peu. Ah ben voilà, je vais mettre là. Hop. Ensuite. J'essaye d'aller en suivant. Il y a tout qui bouge. Il dort, mais il y a tout qui bouge. C'est pas chat. Il fait tellement le foufou dans la journée que. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, Lilypoint que je fais en duo avec Céline. Voilà, donc ça avance, c'est pareil. On est plus près de la fin que du début. Alors, voyez, j'ai corrigé. Vous vous rappelez, l'autre jour, j'avais commencé. Alors, j'avais. Non, c'était là. J'avais commencé ici et je m'étais trompée de couleur. J'avais mis du rouge au lieu de mettre du jaune. Donc, c'est corrigé. Voilà. Et donc, la phrase en entier, maintenant on peut la voir, c'est prenez un joli chat, pas trop farouche, caressez-le sous le cou, derrière les oreilles ou tout autre petit endroit qu'il appréciera. Tendez l'oreille et délectez-vous des ronronnements qui s'échappent de votre félin. Détendez-vous et laissez la magie agir. Voilà. Et donc là, il me reste à broder ma ronron thérapie. Je crois qu'il y a. Oui, en lettres, enfin en phrase, il y aura. Non, non, pas ma ronron thérapie, ma ronron. Voilà. Il me reste ça à broder, ma ronron avec le petit Emma. Les petites patounes ici. Et terminer le chat. Voilà. J'ai le chat à terminer. J'avais dit que j'allais rebroder quelques rangs sur le chat cette semaine et puis bon, j'ai pas fait. Et là, cette semaine, si, si, je vais le faire. Voilà. Donc, ça se termine. Donc, ça, je vous disais, je le faisais en duo avec Céline. Sauf que nous, alors, on a choisi de faire un Lilypoint. Mais donc, ce n'est pas la même broderie. Je vous remets. Alors, j'ai. Petite parenthèse. La semaine dernière, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à monter ma vidéo, à télécharger ma vidéo. Ça a été une horreur pas finie. J'ai cru que j'allais jamais réussir à sortir ma vidéo. Donc, déjà, désolée pour le retard hier, mais bon, il n'y a pas d'heure précise hein, pour mettre ma vidéo, mais.
Vous commencez à avoir l'habitude. Et puis, des fois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ta vidéo, elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Au moins, ça prouve que ça plaît. Mais la semaine dernière, ça a été vraiment la galère de chez galère. Alors là, j'ai fait le gros nettoyage de mon ordi. Tout ce qui était dans mon ordi, enfin, ouais, presque tout, j'ai tout mis sur mon disque dur externe. Comme ça, ben, mon ordi est moins chargé. Et mon disque dur externe, je peux mettre des milliers de photos dedans. Je crois que je peux en mettre près de 100 000 dedans. Donc, j'ai le temps. C'est un disque dur externe de 1 téraoctet. Donc, c'est le big, le grand big. Je peux même mettre mes vidéos, mes musiques, je peux tout y mettre. Donc, j'ai tout mis dedans. Et comme ça, j'ai juste gardé dans l'ordi, vous savez, des papiers administratifs qu'on a besoin régulièrement. Voilà. Et puis, mes dernières vidéos de la semaine. Voilà, et deux, trois bricoles, mais alors il n'y a presque plus rien dans mon ordi. J'espère que demain matin, donc là on est samedi soir, que quand je vais monter ma vidéo, tout se passera bien. On va espérer. Et je disais ça pourquoi? Je ne sais plus. Oui, bon, je referme les parenthèses. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de souci. Si jamais vous voyez qu'un jour dans une vidéo, vous ne voyez pas les photos que des fois j'incruste, c'est qu'il y a eu un problème au montage, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'essaye toujours de me débrouiller au mieux. Donc oui, je referme les parenthèses et je vous disais, Céline et moi, nous brodons un lily-point. Ce n'est pas le même modèle, mais c'est sur le thème du chat. Voilà. Donc, je vous remets le mien, le modèle ici et le modèle de Céline ici. Et je vous remets sa broderie. Voilà où elle en est arrivée. Alors, pareil, hein, il lui reste un chat et une phrase à faire. Donc, on est kiff-kiff hein, à peu près. Donc, on verra. Alors, est-ce qu'on va réussir à terminer ici en novembre? Bon, ce serait que moi, oui, mais comme je vous ai déjà expliqué, Céline travaille, donc bah, elle a moins de temps que moi pour broder. Mais de toute façon, moi, j'essaye toujours de ne pas avancer trop vite aussi pour l'attendre et que je ne la dépasse pas trop. Voilà. Parce que ce serait bien qu'on termine en même temps. Donc voilà, mais écoutez, moi, je suis super contente. De ma broderie. Alors, j'ai fait une chose. Je suis complètement décousue ma vidéo aujourd'hui. Je vous ai montré la semaine dernière mon nouveau planeur qui commencera au mois de janvier, mais j'ai commencé à mettre dedans. Alors, j'ai commencé, hein, j'ai pas tout mis. Voilà, ici, mes toiles. J'ai commencé à marquer les toiles que j'utilise dans les broderies que je vous montre. Parce que vous savez que je suis toujours en train de chercher les noms des toiles. Donc celle-ci, pour la Lily.chat, c'est une étamine 12.6 fils Murano Zegart carré gris. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, je marque mes toiles. Et je suis tranquille. Et ce que je ferai quand une broderie sera terminée, je stabiloterai. Comme ça, je sais lesquelles seront finies ou pas. Mais là, j'ai pas encore. Bah, de toute façon, vous le voyez bien, il n'y en a presque pas. Normalement, je crois qu'il y a une trentaine de broderies. Je sais plus. Mais je vais finir de noter. Comme ça, j'ai mes toiles. Je sais sur quoi je brode. Hop. Allez. Mon lily point. Donc, j'ai fait mes quatre cases. Hein,
Et j'ai fait plus ou moins 250 croix. Voilà. Et vous savez quoi? J'en ai un qui demande la pause pipi. Eh ouais. Bon, je vous mets en pause un dixième de seconde pour vous. Et moi, on va dire 5 minutes, le temps qu'il aille faire son petit pipi. Le deuxième dort, mais alors, je vais essayer de vous le montrer. Excusez-moi, je vous emmène. Et là-bas, alors est-ce qu'on la voit? Je sais pas si vous voyez Fifi là, ouais, là-bas, voyez, hop, là, Fifi. Voilà, vous avez vu? Je sais pas, je profite du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 broderies, et là sur le mur, c'est les 12, les fleurs du mois. Voilà. Alors ça, plus les DP à chouchou, ben, il n'y a plus de place. Hein. Allez, je vous mets en pause un dixième de seconde et on se retrouve tout de suite. Voilà, première pause pipi finie. Alors, Lily Point, c'est bon, vous l'avez vu. Je vais cocher, comme ça je suis sûre que je vous ai tout montré. Voilà. Ensuite, bon, je vais reprendre en suivant. Mon Languedoc Sampler, voilà. Donc, c'est le Two Men's Morris. Le voici. Alors, on est plusieurs à le faire. Je le fais en groupe. On est à 4. Avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Et Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread. Nous faisons toutes les quatre le même modèle, c'est-à-dire celui-ci, voilà, que j'aime toujours autant, il est trop chouette. Donc là, je suis en train de travailler le cheval ailé qui est ici. Donc là, j'ai travaillé sur le bas cette fois-ci, j'ai fait ces deux petites papattes là, puis j'ai travaillé sur son corps un petit peu. Voilà, ça avance doucement mais sûrement, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, il est, alors est-ce que je l'ai marqué celui-là? Vous allez voir que je ne l'ai pas marqué encore, non, mais je le fais sur une toile de lin 16 fils, voilà, ouais, elle est blanche, ouais, c'est une blanche. Et je le brode avec le fil multicolore de chez DMC. Ce n'est pas une variation, c'est le fil multicolore. C'est une autre référence chez DMC. Et c'est la couleur nuit canadienne. Voilà. Elle est trop trop belle cette couleur. C'est dommage, j'arrive pas à bien vous rendre les couleurs comme ça avec le à l'écran, mais le rendu est vraiment superbe, j'aime vraiment beaucoup, je regrette pas d'avoir pris cette couleur là. Alors il y a qui c'est qui le fait en couleur, mince, j'ai oublié. Sonia, je crois que c'est Sonia qui le fait en couleur. Geneviève, elle le fait, alors je ne sais plus ses couleurs exactes, mais je sais qu'elle utilise un fil étoile dedans. Et Amélie, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout.
tout. Je vais regarder si jamais j'aurais vu les photos, mais je pense pas. Les filles, il faut qu'on se partage les photos. Faut pas oublier. Bon, ben alors. Ah, je trouve plus. Ah, voilà. Ça, c'est moi. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas partagé les photos, hein, les filles. Alors, là, c'est une ancienne photo de Geneviève. Alors, vous voyez, elle le fait en noir et en gris, en fil étoile. Voilà. Bon, là, elle est beaucoup plus avancée, hein, maintenant. Mais est-ce que j'ai une photo de... Est-ce que j'ai une photo de... Non, j'ai pas. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je vais le dire aux filles, ben là, elles m'entendent, hein, puisqu'elles me regardent, qu'elles m'envoient la photo de leurs avancées, comme ça, je pourrais vous les montrer en même temps. Voilà. Non, mais très agréable à faire. Là, je fais en moyenne 250 croix. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Là, j'en ai fait 300. Je fais entre 250 et 300 croix par semaine. Voilà. Bon, quand je peux faire un peu plus, je fais un peu plus. Quand je peux pas, bah, je peux pas. Hein, c'est tout. Mais voilà. Vraiment tip-top. J'aime vraiment beaucoup. Oui, bah, je vous ai dit, donc j'ai fait 300 croix, je suis arrivée à 3846 croix et j'ai fait 9,78% pour l'instant. Mais ça avance. Hop! Oh! Les bras assez longs. Ensuite, ah, vous savez quoi? J'ai fini mon étape du mois de septembre. Vaut mieux tard que jamais. Donc, j'ai terminé les... Ben, moi, j'ai mis mes fils. Ah, ils sont là. J'ai terminé enfin l'étape de septembre. Du coup, là, il faut que je fasse celle d'octobre. Hein. C'est le Alice au Pays des Merveilles, All Forest. C'est un modèle gratuit. Vous le trouvez en deux versions. Version trois couleurs, comme moi je fais. Et sinon, il y a la version multicolore également. Donc voilà, j'ai terminé. Alors, mon étape du mois de septembre, elle était ici. Voilà, alors elle est enfin terminée. Je suis contente. Donc avec Alice, la petite souris, le cœur, ici la petite frise. Et la fameuse chaussette avec sa petite chaussure. Donc là, il faut que j'ai pas encore imprimé mon étape du mois d'octobre. Je vais l'imprimer là demain ou après-demain pour savoir. Je pense que je continue. Je sais pas où je continue. Attendez. Est-ce que j'ai le dessin pour savoir ce que je dois faire? Non, pas là. Là. Alors, Broderie Old Forest, c'est ici. Alors, où est-ce que j'ai mis mon Alice? Là. Ah oui, mais là, je ne l'ai pas en entier. Ah, zut. Non, là, je ne l'ai pas en entier. Où j'ai mis mon Alice? Ma mince.
Bon, ça y est, on va regarder avec la photo, ça ira aussi vite. All Forest. Les modèles gratuits. Je suis là. Hein. Alors, Alice, 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 où es-tu, Alice? Ici. Donc, oui. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, alors, voyez, moi, je viens de faire cette partie-là. Hop, ici. Je pense que là, maintenant, je vais faire là. Alors, est-ce que toute cette partie-là, c'est la prochaine étape? Il faudra que je vois en imprimant. Voilà. Mais elle est dans mon ordi, la grille complète. Donc là, maintenant, je vais avoir une petite frise sur le côté, un petit zigouigoui bouquet de fleurs, une petite maison. Il y aura un bout de frise en bas, bien sûr, la frise qui est ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il y aura la frise qui est ici en bas à broder. Il y a des, je crois que c'est les cœurs, as de pique, as de, les trèfles, les carreaux. Ouais, c'est ça. Et il y aura, je pense, ces deux trucs-là à faire aussi. Voilà. Donc là, on est arrivé qu'on a fait ici. Alors. L'arche, elle est faite avec les deux colonnes de chaque côté. Les deux grands bouquets de fleurs ici sont faits. Le lapin, il est là. Donc, tout ce qui est lapin ici, 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 jusqu'à la chaussure, c'est fait. Et les deux bouquets de fleurs là, celui-là, c'est fait aussi avec les pareils cœur, pique, trèfle là. Voilà. Et la petite frise rouge qui est en dessous. Voilà. Bon, il y a encore du boulot, hein, vous voyez. Alors, normalement, je pense qu'on termine par la vilaine reine. Voilà, avec ses gardes. Façon, je pense que là, on repart comme ça. Il faudra que je regarde avec la grille, mais sur mon ordi. Parce que j'ai pas tout imprimé d'un coup, j'imprime une grille chaque mois. Parce que celui-là, malheureusement, j'ai pas su le mettre dans Pattern Keeper. Mais c'est pas très grave. Non, il reste quand même encore pas mal de trucs à faire. Mais je suis contente d'avoir choisi ma toile verte comme ça. Parce que là, sur la toile qu'ils ont choisie, eux. Ce qui est brodé en blanc, ben on ne le voit pas bien. Hein. Ça ne se voit pas. Vous voyez, comme là, ici au milieu, il y a un truc qui est brodé en blanc. Mais faut vraiment mettre les yeux dessus. Hein. Voilà, tandis que moi, comme ça. Enfin, c'est pas du blanc, c'est du. C'est de l'écru. Voilà, c'est celui-là. Hop. Bon. Voilà, pardon, c'est celui-là. Et là, vous voyez, sur le vert, on voit bien tout. Hein. Donc ça, c'est une étamine 12 points 6 fils vert olive. Voilà. Avance. Bon, j'ai toujours une étape de retard, mais je suis encore dans le mois. Bon, elle ne sera pas faite. Il reste pas beaucoup de jours, hein. On est le. Nous sommes aujourd'hui, alors que je tourne, on est le 26. Et donc, il me resterait 1, 2, 3, 4, il reste 5. Il resterait 5 jours. Non, non, j'y arriverai pas.
Je ne pourrais pas. Ou alors, il faudrait que je fasse que ça. Alors, ma petite Alice, bah, j'ai fait plus ou moins 250 croix pour pour terminer mon étape. Voilà. Ensuite, j'ai avancé. Alors, vous savez que j'avais dû démonter beaucoup. Oh, ça y est, là, le deuxième qui veut aller faire pipi. Je lui ai demandé s'il voulait y aller. Il a continué à ronfler. Bon, bah, écoutez, avant que je vous montre ça, ils sont désespérants, ces petites boules de poils. À tout de suite. Bon, j'espère que plus personne ne va vouloir aller faire pipi. Alors, je vous disais, peut-être, si vous vous en rappelez, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos doivent s'en rappeler. Je fais en duo, donc avec Amélie de la chaîne Des Ingles Diamants, cette broderie de poussière d'étoiles demeure de charme. On avait bien avancé et j'ai dû démonter plus de 1000 points parce que je m'étais plantée d'une ligne. Mais comme vous voyez, c'est le genre de modèle où l'erreur passera pas parce que tout est bien aligné et tout. Donc, je suis obligée d'être carré sur cette broderie. Donc, j'avais dû démonter ouais, près de 1000 points. Je vais les boules. Mais bon. Et du coup, là, j'ai bien avancé. Mais bon, j'ai pas encore rattrapé tout mon retard. Mais j'ai bien avancé. Les deux fenêtres que j'avais dû démonter bah, sont, pour ainsi dire, terminées. Hop là. Voilà. Donc tout ça, moi, j'avais dû le démonter. Et là, bon, ça va, j'ai rattrapé ce retard-là. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à 2000 croix parce que du coup, Amélie m'a attendue. Mais elle est arrivée à 2000 croix. Donc là, il me reste encore. Je suis à 1356 croix. Donc il me reste. À cette heure-ci, je compte plus de tête. Hein. Je ne peux plus. Moi, 1356. Il me reste 644 croix pour rattraper Amélie. Donc ça devrait se faire assez facilement. Voilà. Mais c'est pas un modèle. Bah, du coup, c'est pas un modèle difficile du tout. Parce qu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de confetti, il n'y a pas de. Voilà. Donc c'est juste des lignes à broder, hein. Et donc ouais, j'ai pas de grandes difficultés. Il faut juste faire attention bah, de ne pas décaler. Comme c'est souvent la même chose, hein, vous voyez, là c'est toujours la même couleur. Donc il faut faire attention de ne pas décaler, pour pas se tromper. Et là, normalement, tout est bon. Si normalement, je croise les doigts. Non, mais là, tout est bon. Donc là, je vais finir de remplir les deux fenêtres qui sont là, remplir celle-ci. Et comme ça, après, je vais continuer les murs. Là, il y a une poutre. Il y aura une fenêtre. Après, il y aura la porte. Et ainsi de suite. Voilà. Et de ce côté-ci, il y a encore une fenêtre en haut et en bas. Et après, il y aura le ballot. Mais bon, vous voyez, on voyait bien le dessin là. Donc moi, je suis. Non, je suis de ce côté-là. Je suis arrivée là. Voilà. Les deux fenêtres qui sont là. Celle-là est faite, celle-là est faite. Voilà, enfin, elle n'est pas remplie, celle-là, mais la structure est faite. Voilà. T'as vu, Amélie? J'avance. Voilà. Non, mais ça, elle est très sympa à faire aussi, cette broderie.
Donc, je vous ai dit, hein, je suis à 12,34%. Voilà. Donc, 303 de fait. Donc, c'est très bien. Ça avance. Non, je vois que ma lumière clignote. Non, hein. Bon, ça, si elle clignote, je mettrai une rallonge. Maintenant, donc celle-là, c'est fait. Celle-là, je vous l'ai montré. Celle-ci aussi. Ici. En duo avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty, nous faisons le Star Dragon de chez All Forest. Voilà. Il y a plusieurs brodeuses hein, qui le font. C'est un modèle qui plaît pas mal également. Voilà où j'en suis. Alors, nous, on a décidé de faire 250 croix par semaine pour ce modèle. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Alors, moi, je le brode avec les fils DMC. Comme c'est un All Forest, on peut le broder avec les fils de chez All Forest. Mais je vous avais déjà expliqué, hein, je ne suis pas... Enfin, j'aimerais bien en avoir, mais... Excusez-moi, j'aimerais bien en avoir, mais ce qui m'embête, c'est le montant des frais de port et puis le délai aussi. Mais voilà, donc je reste sur mes DMC pour celui-là et c'est très très bien. Voilà. Donc moi, j'ai commencé au milieu, comme vous pouvez voir. Et là, je vous mets la photo de l'avancée de Letty qui, elle, a commencé en haut à gauche. Voilà, et on va finir par se rejoindre hein, quelque part. Non, mais très agréable à faire. Alors, celui-là, est-ce que je l'ai marqué? Oui! Le Star Dragon, je le fais sur une toile de lin, 16 fils, c'est la French Lace Permine. Voilà. Non, elle est chouette aussi cette toile. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le Star Dragon. Donc, j'ai fait 250 croix. Nous sommes arrivés à nos 1000 croix du mois. Le mois n'est pas terminé, mais nos 1000 croix sont faites. C'est pas grave. Hein. La semaine qui arrive, on va refaire nos 250 croix. Et je suis arrivée à 3,02%. Donc, vous voyez, il y a encore du boulot. Mais j'aime beaucoup. Là, il va, c'est ici, je crois, il va commencer à y avoir le dragon. Alors, j'ai peut-être envie, là, bon, là, je vais terminer ce genre de coupe, là, qui est là. Quand je l'aurai fini, après, je pense que je vais attaquer un peu le dragon. Parce que j'ai envie de le voir. Et après, on verra. Alors, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup travaillé cette semaine, enfin, avoir beaucoup brodé, mais bon, je suis désolée, j'arrête pas de bâiller. Oui, cette semaine, je sais pas, mais on aurait dit que lundi je m'étais couchée et que je m'étais réveillée vendredi. Tellement la semaine a passé à une vitesse, je ne me suis rendu compte de aucune journée de la semaine. Mais alors, blackout complet, la semaine, je vous dis, elle est passée à une vitesse folle. Je l'ai pas vu passer. Ensuite, oui, celle-ci. Alors, vous savez que j'organise un sal avec la broderie de la box du mois d'octobre de Sabine, de la boutique Poussière d'étoiles. Donc, c'était l'ABC automne. Donc, c'est cette grille-là. Voilà.
Et donc, j'organise un sale sur cette grille en collaboration avec Sabine. Et alors, je n'ai pas terminé mon étape, mais il me reste quoi? Une, deux, trois lettres à faire et deux petits bitonios, là, deux petites feuilles. Mais elle sera finie. Voilà où j'en suis. Alors, elle est trop, trop belle. Cette broderie de petit renard, encore un renard, mais il est joli. Très agréable à faire. Puis ça change un petit peu. Je ne suis pas fan à 100% des abécédaires. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. Mais je n'en fais pas souvent. Celui-là me plaît beaucoup. Et puis bah, ça me change un petit peu. De temps en temps, faire un petit abécédaire comme ça, c'est sympa. Voilà. Donc là, il me reste deux lettres là, et puis deux petits bitonios qui vont se broder ici et là. Voilà. Mais bon. C'est pas possible. Hein. J'ai les yeux. Vous savez comment on dit dans le Nord? Amélie, elle va rigoler encore. Elle, du Québec, des fois, elle m'entend dire mes expressions du Nord. Dans le Nord, on dit qu'on a les yeux birouteux. Ben, j'ai les yeux birouteux. Complètement éclatés. Voilà. Et j'ai mis mes fils. Voilà. Regardez, regardez les couleurs. Voyez, elles sont trop, trop belles. Et je les ai mis sur un trifil qui est de circonstance en ce moment. Voilà. Pareil, trifil de chez Sabine, hein, de poussière d'étoile. Donc là, je ne sais pas combien j'ai fait. J'ai fait 504 croix. Je suis à 15,67%. Mais je crois que j'en ai fait un peu plus. Je dois être à un peu plus de pourcent. Je crois, hein, je suis pas sûre. Mais je crois. Ouais, je suis à 19,93%. En tout, j'ai fait 641 croix. Voilà. Je vais me le marquer comme ça, je le sais pour la prochaine fois. 641 croix. 19,93. Du coup, 600, j'ai dit combien? 641, donc là, il faut que je rajoute. Voilà. Bon, du coup, mon challenge n'était pas bon. C'est bon, c'est corrigé. Voilà. Là, on a jusqu'au... J'ai donné jusqu'au 10 novembre pour faire cette première étape. Parce que tout le monde n'avait pas acheté la box. Il y en a qui ont acheté la grille, mais la grille était en vente à partir du premier jour du sale. Donc j'ai la première étape, je l'ai fait un peu plus longue. Normalement, c'est des 4 étapes de 15 jours, mais la première étape, du coup, fait 3 semaines pour que les filles qui ont eu leur grille après les box, après nous, puissent avoir le temps. Ben, de préparer leur toile, leur fil et de broder et qu'elles ne prennent pas de retard sur nous. Voilà. Après, par contre, c'est 15 jours. Les 3 autres étapes, ça se fera sur 15 jours. Oui. Donc, j'ai pas barré, j'ai pas barré, je sais même pas où elle est. Là, 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 là. Bah mince, je viens de la voir. Ah, ici. Alors, vous avez pu voir une vidéo, bah vous l'avez eue aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ce samedi. Une vidéo comme quoi je souhaitais faire une broderie pour mon infirmière,
qui vient pour nos prises de sang ou quand on a des piqûres, tout ça. Et pour son Noël, j'avais envie, parce qu'elle est super gentille, et j'avais envie de lui faire un petit cadeau en lui faisant une broderie. Donc je vous ai montré, si vous avez vu, si vous ne l'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, hein, elle sera juste avant celle-ci. Je fais cette broderie, une lili-point, voilà. Être infirmière, c'est guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. C'est une phrase de Louis Pasteur. Voilà. Oui, elle est vraiment top. Et je l'ai commencé. Voilà, sitôt dit, sitôt fait. Alors, voilà. Bon, là, à l'écran. Ah, là, ça va mieux. Donc, j'ai un MIER. Donc, là, j'ai commencé par la fin. Enfin, j'ai commencé au milieu et je vais vers la fin. Après, je continuerai là. Mais voilà. Alors, je la fais sur une toile étamine 12 points 6 fils couleur café. Voilà, une toile toute simple hein, d'étamine. J'aime beaucoup. Super agréable à broder. De toute façon, les lili-points, je vous dis, ils sont tous agréables à faire, hein. Ils sont vraiment tip-top. Et je pense qu'elle ira assez vite à broder. Donc, moi, le principal, c'est qu'elle se termine avant Noël. Voilà. Mais je pense que j'arriverai à la finir bien avant Noël. Enfin, à pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Mais voilà. Non, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça je l'ai fait cet après-midi. Voilà, je l'ai fait cet après-midi. J'avais hésité, je dis quoi, je le fais demain, je le fais lundi. Puis non, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Voilà, avec le petit aimant aiguille, poussière d'étoile. Et j'ai même mis les fils. Sur sur le trifil de la libellule, voyez, de poussière d'étoile. Elle est trop belle. On l'a aussi en broderie, du coup, puisque c'était une box. Faudra que je la brode aussi, hein, mais bon. On va finir les broderies avant. C'est mieux. Malgré que il y a des arrivées, hein. Mais bon. Alors là, c'est bon. Donc là, j'ai fait combien la ferme? Ouais, j'ai fait plus ou moins 250 croix pour ce que j'ai pour l'infirmière, la broderie de l'infirmière. Alors là, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Celle-ci. Et celle-ci, ouais, deux, j'en ai deux, ouais, c'est ça, c'est deux. Alors, elle est là. Le mercredi, je vous ai dit, c'est le HAED du mercredi. Et donc, ce mercredi, j'ai choisi, c'est pas moi qui a choisi, c'est la roue. La roue m'a choisi de faire. Mon paysage, c'est-à-dire mon. Alors, ça s'appelle Hayden Arbor, si je ne me trompe pas. Oui, Hayden Arbor, voilà. Donc, moi, je l'ai en color expansion, 150 couleurs. Et le voici. J'ai super bien avancé. Mes montagnes sont trop trop belles. J'ai même attaqué là un petit bout du vert. J'avais envie de mettre changer un peu de couleur. J'ai envie de voir un peu le prolongement de la montagne avec le vert, les rochers, tout ça. Du coup, j'ai avancé un peu. Mais ah, oh, je l'adore de plus en plus. Je l'aime vraiment de plus en plus. Elle est vraiment tip top.
Et hop, le fil va par là. Voilà, ça ira mieux. Non, mais vraiment top. Hein. Alors, je suis ici. Je vais vous montrer. Alors, je vais agrandir un petit peu l'image. Donc, voilà où je suis. Donc, je suis à ces deux montagnes-là. Et le petit bout de vert que j'ai fait là, c'est là. C'est juste ici sur l'arête là du vert. Hop, on va l'agrandir. Voilà, c'est là, c'est ce petit bout-là. J'ai hâte, c'est d'arriver dans les maisons, tout ça. Oui. Oh là là, il y a tout le détail qu'il y a. Les maisons qui se reflètent dans l'eau. Non, il est vraiment top. Hein. Malheureusement, il existe en copie. C'est assez dommage, mais... Mais bon, de toute façon, en copie, le résultat ne sera pas le même. Mais bon, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais vous dire le nombre de croix que j'ai fait dessus. Sur une journée, donc. Hop, voilà. J'ai fait... Tambour, roulement de tambour. 1000 croix. J'ai fait 1000 croix sur ma journée de mercredi. Ah, je voulais pas le lâcher. J'avais fait sur la journée, je ne sais plus combien de croix. Je devais être pas loin des 800, un truc comme ça. Et je l'ai laissé sur mon bureau. Et le soir, je l'ai repris, j'ai continué. Oh, il faut pas, j'avais vraiment pas envie de le lâcher. Si j'aurais pu, j'aurais brodé toute la nuit. Ah ouais, non, mais vraiment tip top. Alors là, je suis. Ah, alors j'ai fait combien de croix en tout? J'ai oublié de le marquer ça. À 9768 croix. Donc je vais me le remarquer là. 9768, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et donc j'ai fait 1000 croix mercredi et je suis à 7,23%. Bon, c'est un modèle qui a 135 150 croix. Donc, comment dire qu'il y a encore du taf. Donc là, j'en ai fait... Bon, je suis pas loin des 10 000 quand même, mais bon. Dommage, je ne suis pas arrivée à 10 000. Alors, 135 150 moins 9 700. 68. Oh, il me reste plus que 125 382 croix à faire. Si je me faisais une moyenne, si je fais 200, ouais, on va compter. Non, mais les achats, je fais toujours un peu plus. Allez, on va se compter 400 croix par semaine. Un exemple, hein. Pour voir le nombre de temps qu'il me faut. Divisé par 400. Il me faudrait 313 semaines. Alors, 313 semaines. Divisé par 52. Ouais, 6 ans. Je l'aurais fini dans 6 ans. Non, mais quand je peux, je l'accélère. Ouais. Dans 6 ans, je ne sais pas si je broderai encore. Hein. Peut-être que je serai toute vieille. Mais bon, on verra bien. C'est pour ça, les grands ouvrages comme ça, réfléchissez hein, avant d'en acheter, d'en commencer. Sachez que c'est des ouvrages qui demandent plusieurs années à broder. Donc, si, comment, si vous êtes comme moi en multi en cours et quoi, si vous commencez à avoir de l'âge aussi comme moi,
Voyez si vous pouvez le faire. Là, par exemple, j'ai fait 1000 croix sur une journée. Bon, même si je ferais 1000 croix sur une journée, donc il faudrait que je sois mono en cours, hein. J'ai dit qu'il me restait combien? 125 000. Alors, divisé par 1000, ça fait 125 semaines. Donc, divisé par 52. Alors, vous voyez, même en faisant 1000 croix par jour, il vous faudrait quand même plus de 2 ans et demi pour le faire. Voilà. J'ai soif. Ouais, c'est un boulot de longue haleine, ça. Donc, et c'est vrai que bon, moi, j'en ai trois. Il y en a un quatrième qui commence. Et c'est pour ça que j'avais dit, les HAED, c'est fini. Je n'en achète plus. Je ne. Pas la peine de m'en offrir, quoi que ce soit, parce que je n'en ferai pas d'autres. Voilà. Je suis pas. Faut être raisonnable, arriver à un moment. Alors, là, il me reste normalement une broderie à vous montrer. Hop. Voilà. C'est mon sampler 124 que je fais en duo. Oh, j'ai pas attaché mon aiguille. Que je fais en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Voilà. Donc, on fait toutes les deux ce sampler en fil étoile de DMC. Moi, je le fais avec trois couleurs, un bleu marine, un jaune, un turquoise. Et Sonia, elle le fait avec un gris pâle. Moi, je suis sur une toile étamine 12 points 6 fils bleu canard. Et vous verrez après, Sonia le fait sur une toile pareille, étamine 12 points 6 fils, mais couleur rubis. Nous avons attaqué une nouvelle case. La voici. Hop. Et un petit peu là. Donc on fait 300 croix par semaine, pas une de plus, pas une de moins. Et bah du coup, ça m'a permis de faire le cadre et un petit bitonio ici. Voilà, j'ai commencé un petit peu là. Voilà, donc c'est une case qui va nous prendre un petit peu de temps, mais ça va. Donc. On a déjà fait cette partie-là, celle-ci, et maintenant on attaque là. Donc, je vous mets à l'écran la broderie de Sonia pour que vous voyez où elle en est. On n'est pas toujours au même endroit. Là, je ne sais pas. Ma lumière clignote, ça m'embête. J'ai l'impression que ça baisse, non? Je ne sais pas si elle me l'a déjà envoyé. Non, mais souvent elle me l'envoie le samedi soir ou le dimanche matin. Mais donc là, vous l'aurez vu à l'écran puisque depuis, je l'ai eu. Donc là, je vous dis, on fait 300 croix par semaine et ça avance très bien. Moi, j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, c'est un modèle qui nous prend pas, qui nous prend du temps, mais qui va être magnifique à l'arrivée. Voilà. Il est tip top. Niveau broderie, bah écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Ça, c'est vu et ça, c'est vu. Ouais, niveau broderie, vous avez tout vu. Alors, mon challenge maintenant, comme vous savez, le challenge, je fais 3000 croix, je me mets une base de 3000 croix par semaine. Et cette semaine, j'ai fait 4596 croix. Voilà.
J'ai. Ouais, c'est pas. C'est. Si, c'est bien. Voilà, c'est bien. La semaine dernière, j'en avais fait 5037. Voilà. Bon, il y a des semaines plus, des semaines moins, mais ça, c'est pas très grave. Ah, ça y est, ma copine la mouche. Je mets en pause un dixième de seconde, comme ça en même temps je vais mettre la rallonge sur ma lampe parce que je vois qu'elle va bientôt. Et je vais ranger tout de suite ces broderies-là, comme ça j'ai de la place. Et on va continuer en parlant des projets, en vous disant les vidéos que j'ai vues, les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne. Après, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non. Et ensuite, ben, on passera au tricot. Voilà. Allez, je vous fais une pause d'un dixième de seconde pour vous et moi le temps juste de ranger tout ça. Voilà. Alors, désolé, j'ai la lumière de ce côté-là. Mon câble n'est pas assez long. Et enfin, vous voyez, il a. Hop! Il manque quelques centimètres, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez déjà vu le principal, donc les broderies. Alors, on va faire le tirage au sort pour la semaine. J'ai mis à jour mes roues. On va d'abord tirer au sort le HAED du mercredi. En sachant que là, maintenant, je peux tirer au sort le hibou du savoir. Puisqu'on commence à le broder le 1er octobre, le 1er novembre, pardon. S'il sort, bah, c'est très bien parce que le 1er novembre, ce sera vendredi. Allez, on va voir ce qu'on tire au sort. Ah bah! Le hibou du savoir, voilà. Ah, ça, c'est fait. Voilà. Allez. La semaine dernière, je vous avais dit que je ne remettais pas dans la roue ce qui avait été tiré au sort la semaine dernière pour donner un peu de chance aux autres broderies, pour que je ne brode pas toujours les mêmes. Hein. En sachant que dans la roue, cette fois-ci, j'ai rajouté du coup le Lily Point infirmière, j'ai rajouté le Black Rose de All Forest que l'on commence ici ce 1er novembre. Voilà, donc moi je le fais en duo avec Letty de la boutique. Oh, c'est une manie ça. De la chaîne Les Loisirs de Letty. Mais on est plusieurs. Il y a plusieurs brodeuses qui me suivent et qui vont le faire en même temps que nous. Donc on se donne une moyenne de 250 croix à faire par semaine. Voilà, et on verra si on adapte ou pas au fur et à mesure. On ne fera pas moins, ça c'est sûr. Allez, c'est parti, mon kiki. Mes hérons de chez Lanart. Super. Alors. Les hérons. Petit pas de tapon. Allez, celui-là, je le cache. Ah, le hibou, super. Alors, c'est pas le hibou, le HAED, hein. C'est une que qu'une abonnée m'a offert. Celui-là, non, puisqu'il est dans les obligatoires. Donc, dans les obligatoires, j'ai oublié de vous dire, il y aura le Sampler 124, le Lily Point Chat, le Star Dragon, mon Lock Dog Sampler et la Demeure de Charme.
Ah ben, un HAED, c'est le... Ah ben non, je l'ai déjà tiré au sort celui-là. C'était le hibou. Languedoc, bon, il faut que je les enlève, les obligatoires. Il faut que je les enlève. Ah, le Black Rose, super. Donc, après, il passera dans les obligatoires, hein, à partir de la semaine prochaine. Lily point infirmière. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va encore en tirer 2, comme ça, pour dire que j'en ai 2 en réserve, au cas où j'irai, que j'aurai du temps. Mais ça m'étonnerait, parce que mardi, ah, l'orchidée. Mardi, j'ai ma petite fille qui vient pour m'aider. Parce que j'étais allée voir tout à l'heure et je parlais de ma pièce en haut et c'était mon autre petite fille qui m'avait aidé à ranger l'année dernière cette pièce-là. Et en rigolant, je lui dis, tu te rappelles, on avait rangé la pièce, hein, ben, c'est double, c'est le bordel mais en double. Et donc mon autre petite fille, la plus grande, celle qui a 16 ans, elle me fait, bah, si tu veux, je viens t'aider. Alors, mais il y a un taf, pas, je vous jure que j'ai même du mal à rentrer dans la pièce maintenant, tellement c'est le boxon. Mais alors, un point, comme on n'y voit plus maintenant, quand on a un truc à mettre quelque part, hop, c'est dans la pièce, hop, dans la pièce, hop, dans la pièce. C'était mon atelier. Hein. Et donc, elle vient mardi, mais je pense qu'on va en avoir pour toute la journée. Au moins. Donc mardi, je pense pas que je vais broder tout au moins la journée. Je broderai peut-être un peu le soir, mais la journée, je ne pourrai pas broder. L'orchidée, et j'ai dit, bon, j'en tirerai un autre au sort en réserve, mais je vous dis, ça m'étonnerait. Ah bah la japonaise. HAED, la japonaise. Alors, comme j'ai tiré au sort 2 HAED, du coup, je pense, alors comme le hibou du savoir, normalement, ne commencera que vendredi, et que moi, mon HAED du mercredi, on sera le 30, on ne sera pas encore en novembre, je vais inverser, je ferai la japonaise sur mon HAED du mercredi, voilà, donc je le marque. Et du coup, le hibou, je le ferai vendredi. Je poserai mes premières croix vendredi. Et comme j'ai tiré au sort aussi le Black Rose, je ferai le Black Rose en même temps ce jour-là. Voilà. Ouais, c'est ce que je vais faire comme ça. Donc là, c'est bon. Alors, j'ai dans mes obligatoires, je vous rappelle, j'ai mon sampler 124, mon lily.chat. Mon Star Dragon All Forest, mon Languedoc Sampler et ma demeure de charme de poussière d'étoiles. Dans les autres broderies point comté, j'ai mon Héron de la Narthe, le Hibou qu'une abonnée m'a offert, le Black Rose of Forest, le Lily point infirmière, l'Orchidée la Narthe et l'HAED la japonaise. Et pour le HAED du mercredi, le hibou du saveur. Voilà. Je suis pas sûre que j'arrive à tout faire. Alors, je vais mettre en priorité
Bon, les obligatoires, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est obligé. En priorité, il y aura le Black Rose. Voilà, ça c'est sûr. Le hibou du savoir, ça c'est sûr. Voilà. Bon, la japonaise, oui, puisque ce sera le mercredi. Voilà. Et il m'en reste 4. Donc, alors, 1, 2, 3, 4. Sachant que là, je... Ah, j'ai pas sorti mon... J'ai pas eu mon Fox. Mince. Je voulais... J'aurais voulu qu'il sorte. Bon, c'est pas grave. L'orchidée. Alors, la broderie du lundi. Donc, là, je ne fais qu'une seule broderie. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. L'orchidée. C'est une petite broderie. Donc, ouais, je ferai l'orchidée de la natte. Comme ça, je vais l'avancer au maximum, celle-là. Voilà, elle ne sera pas finie, hein, mais elle sera avancée un maximum. Voilà. Et donc, après, il me restera les ronds de la natte ou le hibou que mon abonné m'a offert. Et la broderie infirmière, bon, bah, ça, je vais savoir me la caser sans problème. Voilà. Non, mais c'est bon. Il n'y a que, je vous dis, mardi que là, ça, c'est plus compliqué pour broder, mais ça ira. Donc, j'aurai toujours mon challenge des 3000 croix par semaine. Puis voilà. Et je dois préparer une autre broderie. Alors, j'ai une broderie à préparer. Enfin, les fils sont préparés. C'est le sampler 251. Que l'on commence le jour de mon anniversaire, donc ce sera la semaine d'après. Ce sera. Ah non, c'est dans 2 semaines, donc ça va. Il faut que juste que je prépare ma toile. J'ai ma toile, j'ai mes fils, j'ai tout. Il faut juste que je prépare sur mon tambour ou mon cuisnap. Voilà. Et ça commencera le 12 novembre. Et ensuite, il faut que je vois pour... Après, c'est fini, hein, les filles. Fini. Je ne commence plus aucune broderie. Mais alors, aucune. Jusqu'au 31 décembre. Ah oui, après, il y a le mois de janvier. Le mois de janvier, il y a des choses de prévues. Mais jusqu'au 31 décembre, je le dis devant vous, devant la caméra. Je ne commencerai plus aucune broderie. J'en ai plus qu'une à préparer. Donc, c'est le sampler papillon. Mais sinon, je ne commence plus rien. Donc, novembre, décembre, on reste sur ce qu'on est. Hein. Voilà. Tu es d'accord avec moi, Fifi? Oui? Tu es OK? Oui, tu es OK. Ok. Non mais là, ouais, non, je commence plus rien. Allez, je remets ma roue à zéro pour la semaine prochaine. Voilà. Vous voyez, ma roue quand elle est pleine. Hop, là voilà. Ah, Fifi. Si c'est Fifi. Là voilà. Et dedans, il n'y a pas mes estampés. Mes estampés, je les ai mis de côté pour l'instant. Quand j'en ai envie, je les sortirai. Je broderai dessus. Ou... Voilà. Mais, Fifi, tu as perdu une moustache. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Attendez. Elle a perdu une moustache. Je vais la mettre là parce que hop, pour la mettre dans la poubelle après.
sais plus ce que je disais du coup avec mes bêtises. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, si, ça y est. Je vous disais les estampés, je les ai retirés des roues. Parce que bah, quand, si un soir j'ai envie de broder de l'estampé, bah, je la prends, je la broderai. Je ne tire plus au sort mes estampés parce que bah, je vous l'ai dit, hein, j'ai de moins en moins envie de les faire. Je vais les finir. Ça, c'est, je les finirai. Sur combien de temps maintenant, j'en sais rien, mais je les finirai. Mais je ne les mets plus dans les roues pour tirer au sort. Voilà. Si j'ai envie de faire un petit peu d'estampé, ben, je prends une des trois broderies, hop, je fais un peu d'estampé, je la remets. Voilà. C'est tout. Allez, qu'est-ce que j'ai regardé de beau en vidéo cette semaine? Alors, bah, ça va aller d'aujourd'hui à lundi. Alors, aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo de Mélissa, des passions de Mélissa, qui, justement, montrait qu'elle allait faire, bah, suite aussi à ma vidéo, le modèle Black Rose de All Forest. elle montrait également la toile et les fils qu'elle avait choisis. Alors, j'aime beaucoup les fils qu'elle a choisis. Elle les a pris à la boutique Un Petit Fil et elle a pris la couleur aubergine. C'est vraiment très joli. Et c'est vrai que je ne pense jamais à acheter des fils sur cette boutique. J'y pense jamais. Bon, là, ce mois-ci, c'est impossible. C'est pareil, mois de novembre, pas d'achat. C'est impossible. Et puis décembre, bon, nous, Noël, mes petits-enfants, je leur fais une petite enveloppe. Maintenant, ils sont grands, hein, ils ont plus besoin de jouer, tout ça. Donc, je leur fais une petite enveloppe. Et Noël, nous, on le fait qu'à deux. Noël, Nouvel An, on mange toujours qu'à deux. On est à deux à la maison. Et en plus, cette année, on a décidé de... Tout au moins pour Noël, Nouvel An, alors de toute façon Nouvel An on n'aime pas, alors ça va aller encore plus vite. Cette semaine j'ai mon mari, je voudrais qu'on commence à faire la liste de ce qu'on a besoin pour Noël, pour manger et Nouvel An. Comme ça on achète un petit peu à la fois ce qui peut être acheté à l'avance, fifi. Parce qu'après les prix augmentent, hein. Pendant les fêtes les prix augmentent. Et il me dit bon... Oh. on a décidé qu'on va se faire alors nous on adore ça, c'est les œufs mimosa, donc ça c'est tous les ans, ça c'est d'office, on se fait des œufs mimosa. On va se faire une roulade de jambon avec la Macédoine, voilà, hop. Et alors souvent on mange le chaud le lendemain, le jour de Noël. Et qu'est-ce que tu me fais, Fifi? On va se faire une raclette. Voilà. Cette année, on se fait une raclette pour Noël. Ça ne coûtera pas cher. On n'est qu'à deux. C'est très bien. Donc, Noël, ce sera raclette. Et je ne suis peut-être pas loin de nous faire un petit couscous à Nouvel An. Moi, couscous, quand j'en fais, on en a pour 3 jours. Donc, je suis tranquille. Ouais, non. Voilà. Donc, ce mois-ci, non, parce que j'ai des factures. Donc, il n'y aura pas d'achat. À moins que je gagne au loto entre deux. Mais ça m'étonnerait, je ne joue pas. le mois de décembre, on va quand même faire attention. Parce que c'est pas seulement pour à cause des fêtes, c'est parce qu'en janvier, on a aussi le contrôle technique de la voiture. Ça tombe à la bonne période, ça. C'est bien, bien, bien. Donc, et puis la révision, la voiture. Mais révision, c'est, vous savez, la vidange, les petits trucs comme ça. Donc, ça va, en espérant qu'ils ne trouvent rien. Du coup, là, novembre, décembre, janvier, ça va être un peu juste.
C'est pour ça que aussi, bah du coup, je désolée, hein, je passe du coq à l'âne. C'est pour ça aussi que, alors, je vous parlais de Vinted que j'aimais pas, blablabla, blablabla. J'ai réactivé mon Vinted, pas pour acheter parce que je ne veux plus acheter sur Vinted, mais pour vendre parce que sur le groupe que j'ai ouvert, ben, j'arrive pas à vendre mais ce que j'ai à vendre. Donc je vais tout remettre sur mon Vinted. Dès que c'est fait, d'ailleurs, je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos. Et comme ça, vous pourrez y retrouver peut-être des bouquins, de la laine. Ça, vous allez retrouver de la laine. Et plein de broderies, de kits de broderie. Il va y en avoir un sacré paquet. Donc, voilà. Et dès que j'ai tout transféré sur mon Vinted, je vous préviens. Et comme ça, vous pourrez aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc, de toute façon, faut que ça parte parce que ça me prend de la place. C'est justement dans la pièce en haut. Ça me prend de la place. Et puis, ça me permettra de, comme on dit, de mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Bon. Allez, revenons à nos moutons. Donc, je vous disais, j'ai regardé donc la vidéo de Mélissa, les passions de Mélissa, qui présentait le matériel qu'elle va utiliser pour faire cette broderie, le Black Rose. J'ai regardé également les loisirs de Marjorie, qui faisait justement un tag sur sa chaîne. Et je m'en étais inspirée, c'est pour ça que j'ai fait un tag cette semaine également sur ma chaîne. C'est celui qui était sur la chaîne de Marjorie. J'ai regardé, alors ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé ses vidéos. C'est son Floss Tube de rentrée, projet en cours, terminé, nouveaux achats. C'est les passions de Nini. Voilà. Alors, elle a beaucoup de projets, de beaux projets, et elle a fait des trouvailles incroyables sur Vinted. Vraiment des kits de créateurs, vraiment, elle a eu beaucoup de chance. Donc, elle nous montre tout ça dans son Floss Tube, donc de rentrée. Toutes les chaînes dont je vous parle, je vous remettrai les liens en barre d'infos, bien sûr. J'ai regardé la chaîne de Jennifer du fil et des broderies qui a fait son petit floss tube. Donc, le titre, c'est Papotage, broderie et tricot. Elle nous montre bah, ses broderies qu'elle a fait ou qu'elle a fini. Elle nous montre aussi du tricot qu'elle a fait. Bah écoutez, j'aime toujours ce qu'elle montre, hein, ce qu'elle fait plutôt. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne également. J'ai regardé, alors bon, c'est une chaîne, alors je pense qu'elle est américaine, tout au moins elle parle anglais, donc voilà, elle est peut-être anglaise ou américaine, je ne sais pas. Je crois que c'est la première fois que je l'ai regardée. Alors, c'est son Floss Tube 135. Donc, alors, dans son titre, alors, je vais essayer de... Cette New Star, donc cette nouvelle broderie, de fini, retweet, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, and several. Alors, c'est la chaîne de Handwork Maniac. Voilà. Pareil, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais j'aime beaucoup ce que les Américaines et les Anglaises, elles font. Elles ont toujours de superbes modèles. C'est bien dans mon style en plus. J'aime beaucoup. Bon, je comprends rien à ce qu'elles disent, mais c'est pas grave. Je regarde les images et ça me plaît tout autant. J'ai encore regardé une vidéo de Mélissa. Elle présentait son unboxing de la box de poussière d'étoiles, donc sur le thème de l'automne. Ensuite,
J'ai regardé Sabine de la chaîne Sabrod. Elle a fait sa revue de la semaine, donc elle a montré ses avancées, voilà. Donc comme elle dit, peu de projets, mais beaucoup de petites croix. Oh, excusez-moi. Alors attendez, je vais regarder deux. Oui, ah ben, j'en ai regardé deux. J'ai encore regardé une vidéo de Les Passions de Nini. Voilà, donc le Flosstube avancé, projet terminé. Je vous montre tout. Voilà. Et j'ai regardé un peu. Alors, tu m'excuseras, Mywen. Je n'ai pas regardé tout ton live, mais j'en ai regardé une partie. Tout en brodant, mais comme je faisais une vidéo en même temps aussi, c'était un peu plus compliqué cette semaine pour moi regarder ton live, mais j'ai regardé. Donc c'était le live de About Mywen, Point de croix, craft et papotage, Epic Storybook. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu. Je regarderai avec le replay pour voir la suite. Voilà ce que j'ai regardé cette semaine. Et moi, cette semaine, je vous ai mis en vidéo. Alors, je retourne un petit peu en arrière. Chouchou commence les cartes postales en diamond painting, les cartes postales, les cartes de Noël, pardon, en diamond painting. Je vous ai mis The Fox de Cottage Garden, je le brode avec vous. Donc, je brode justement mon petit renard. Présentation de la boîte Granny Square. Et je vous parle du cal que j'organise également sur mon groupe pour le tricot crochet, pour une couverture patchwork. Donc, je vous explique ça dans la vidéo. Je vous ai fait un haul Temu. Oui, moi, j'ai fait du Temu. Un haul Temu Diamond Painting. Allez, je réponds à un tag. Donc, c'est le tag que j'avais récupéré sur la chaîne de Marjorie. Et je vous ai fait une dernière vidéo. C'est une nouvelle broderie va bientôt commencer pour offrir. Donc, je vous parle de la broderie de l'infirmière. Voilà. Ben, j'ai l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de vidéos cette semaine. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Non, juste 7, voilà. J'en ai juste fait 7. C'est déjà pas mal, c'est une par jour. Voilà, au niveau YouTube, je vous ai tout dit. Je vais vous montrer maintenant tricot. Petite avancée tricot, mais bon, j'ai fait du tricot quand même. Je range ça. Hop. Allez, je vais chercher mes sacs et je suis à vous tout de suite. Me voilà. Alors, tricot. Ça, c'est mon pull Bergère de France. Alors, je suis arrivée à 130 rangs. Il m'en reste 18 pour arriver aux épaules et après 5, 6. Voilà. Donc, on va dire qu'il reste à peu près 25 rangs à faire pour terminer ce dos que je n'ai toujours pas fini, mais qui est bien grand. Je suis contente. Il est où le truc? Allez, montre-toi. Voilà. Mon manchure est là. Vous voyez? Donc là, j'ai encore 18 rangs à faire. Et après, juste les épaules. Voilà, c'est bon. Toujours aussi agréable, hein, cette laine à faire. Bon, elle est un peu. Là, vous ne voyez pas. Mais on voit un petit peu à travers. Mais de toute façon, moi, comme je vous avais expliqué, les pulls, je les mets toujours avec un t-shirt.
J'aime pas avoir la laine directement sur ma peau. Donc, je mets toujours un t-shirt en dessous. Donc, il n'y a pas de... il n'y aura pas de souci. Vous voyez là? Ah, là, on voit. Vous voyez? Quand je tire, vous me voyez à travers. Là, je bouge pour que vous voyez. Et donc, j'avais rallongé de 14 cm parce que c'était un pull court à la base. Mais du coup, voilà. Alors, j'ai pas encore été voir pour recommander un petit peu de pelote. Là, je vais pouvoir le faire. Je vous avais mis un article d'ailleurs dans la communauté. Ça y est, Bergère de France reprend. Mais alors, c'est sous une autre forme, mais on aura toujours la même chose pour nous. C'est 60 ou 70 salariés qui ont repris l'entreprise sous forme de coopérative. Donc, donc, il y a eu des licenciements, malheureusement, quand même. Et il y a donc 70 salariés qui ont repris l'entreprise en coopérative. Bon, on verra ce que ça donne. On va croiser les doigts. On va leur souhaiter de la chance et de réussir. C'est tout ce qu'on peut faire. Et ben, la suite nous dira comment ça ira. Donc, j'avais dit que je faisais pas d'achat, mais là, c'est un achat, on va dire, obligatoire. Je vais commander quand même deux pelotes cette semaine pour être sûre de ne pas tomber en panne en faisant mon pull. Voilà. Hop. Ensuite, alors vous les avez vus quand j'ai fait mon tag, parce que j'ai tricoté pendant le tag. Allez, viens là. Oh. C'est mes manches de mon pull fil d'art, mon pull avec le plastron à trou-trou. Donc voilà mes manches. Je suis arrivée. Comment? À la quatrième augmentation pour 20 rangs. Et après, j'ai encore deux augmentations pour 18 rangs. Et après, monter jusqu'aux épaules. Voilà. Donc, ça avance. Ça va se terminer hein, aussi. Mais voilà. Quand on tricote avec plusieurs pelotes, c'est toujours embêtant. Donc voilà. Alors, ah oui, je ne vous ai pas dit. Sur le bleu, j'ai fait une dizaine de rangs. Voilà. Et ici, j'ai fait tout ça quand même. Donc là, je ne sais pas, il y a peut-être une 20, 15, 20. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai fait 22 rangs. Voilà. Donc, ça avance bien. Voilà. Niveau tricot, c'est tout. Mais j'ai fait un peu de crochet. Monique, tu vas être contente. Alors, oh. Alors, par contre, je sais pas, il va falloir. Mon sac a une odeur, je sais pas ce que c'est. Je crois que demain je vais le vider et le laver. Parce que... Et comme il était en haut, c'est ma couverture. C'est celle de 2023. Non, la couverture, ça va. Non, c'est le sac. Je sais pas. Ça sentait comme un peu le renfermer, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Oui, celle-là, c'est celle de 2023. C'est ma couverture météo. Oh, mais je croyais que j'avais fini ma ligne. Tiens, non, j'ai pas fini. Donc, je l'ai reprise.
Là, j'ai fait 4 jours. Ouais, j'ai tricoté 4 jours. Donc voilà, bon là, vous ne pouvez pas voir beaucoup de différence, hein, puisque puis déjà, vous ne devez plus vous en rappeler. Donc c'est une moitié, hein, ça, de ma couverture. Je vous montre. Oh. Voilà. Donc là, on est au mois de juillet, 1er juillet, fin 2 juillet. Et voilà. Et donc, il y a une ligne blanche. Ça marque la fin et le début du mois. La fin du mois et le début du mois suivant. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le mois de novembre 2023. Je suis à... j'ai pas ma feuille là, non. Je suis au 19 ou 20 novembre. Donc, il reste plus grand-chose. Et après, il me restera un mois à tricoter. Et j'aurai terminé cette foutue couverture. Et donc, quand elle sera terminée, donc j'ai une autre moitié. Elle est encombrante en plus. J'ai une autre moitié de couverture comme ça. Donc, qui va du 1er janvier au 1er juillet. Et celle-là, elle commence le 2 juillet, oui, c'est ça. Et qui ira jusqu'au 31 décembre. Donc, je vais les réunir toutes les deux. Et puis, alors, j'hésite encore. Je vais voir ce que ça donne quand on est dans le fauteuil, là, au niveau de la longueur, de la largeur. Parce que si ça nous suffit pour une personne, un côté, je vais la finir en faisant une bordure tout autour, mais séparément. Je vais les laisser séparer. Et il y aura une couverture pour le fauteuil pour Chouchou et une pour moi dans mon fauteuil. Voilà. On verra bien. Sinon, je vais les coudre toutes les deux. Et puis, dans ce cas-là, je verrai. Que de toute façon, je suis encore en train d'en faire une, hein, celle de cette année. Bon, pour l'instant, elle est un peu en stand-by. Mais dès que j'ai fini celle-là, je reprends l'autre. Voilà. Non? Non, pourtant, il n'y a pas d'odeur dessus. Voilà. Là, nous, c'est des vieilles maisons, hein, donc il y a quand même un petit peu d'humidité, il y a beaucoup de poussière. Donc, ouais, même les vêtements, des fois, dans l'armoire, vous savez, d'une saison à l'autre, il faut les relaver quand même parce que bah, il y a une petite odeur de... Je ne sais pas si c'est une odeur d'humidité ou une odeur de vieille maison. Je ne sais pas. Pourtant, ma maison sent bon, hein, mais... Mais comme ça a été plusieurs mois, c'est resté dans le sac plusieurs mois et en haut, ça n'a pas pris trop l'air. Voilà. S'il fait bon, ce que je pourrais faire, c'est la mettre dehors un petit peu. Voilà. Donc, on va la continuer. Salut Monique, j'ai ressorti. donc voilà, bah écoutez, j'ai tout montré, j'ai tout parlé, j'ai tout dit. Donc les projets, bah, je vous l'ai dit. En novembre, on commence le HAED, le hibou du savoir. On commence le Black Rose de Old Forest. Et on commence le Sampler 251 le jour de mon anniversaire, le 12 novembre. Et ça se fera sur une toile noire. Voilà, mais on en reparlera le moment opportun, le moment venu. Ouais, moi je crois que je vous ai tout dit. Je vérifie quand même. Tricot, j'ai tout dit. La couverture, les fils d'art, le bergère de France. Ouais. Donc cette semaine, je vais voir pour encadrer ma grenouille. Je vous le filmerai très certainement. Voilà. Alors les encadrements, à moins que je le filme le soir. Mais souvent, c'est sans parole. Je ne parle pas. Mais je vous donne les explications sur l'écran.
Sinon, alors mardi, ouais, je vous ai dit, mardi, ça va être compliqué pour moi de faire des choses. D'ailleurs, j'essaierai de vous préparer déjà une vidéo. J'avais pensé de vous faire une vidéo de mon atelier, avant, après, pendant. Mais non, c'est trop en bordel. C'est trop, trop, trop en bordel. Là, j'ai honte. J'ai honte de moi. Puis même, je saurais pas, c'est vraiment tellement encombré. Là j'ai craqué le sac. Hein. Là, ouais, c'est tellement encombré que mon pied de caméra, je saurais pas où le mettre. Donc, c'est pas la peine. Puis, je serai avec ma petite fille. Donc, je vais pas mettre ma petite fille sur la vidéo non plus. Voilà. Bah, écoutez. Oh, dans. Oh, si, on est à 2 heures. Hein. Ouais, on a fait les 2 heures de vidéo, comme d'habitude. Lundi, vous aurez des vidéos unboxing. J'ai reçu des colis. Donc, vous aurez des vidéos unboxing. Vous aurez très certainement encore une petite vidéo haul Temu, mais ce sera du diamond painting. Et puis c'est tout. Ouais. Bon, alors mon expérience Temu, j'ai reçu un colis aujourd'hui. Bah, j'avais fait 3 commandes en tout. J'ai fait une commande aujourd'hui. Et j'ai déjà préparé le colis. Je renvoie la moitié de ma commande. J'ai déjà mis à renvoyer la moitié de ma commande. J'ai pris un pull polo pour chouchou. Ils ont oublié de coudre la couture en bas. Je m'étais pris un sac à main. Mais alors bon. Avec toutes les promos, les réductions, tout ça, je l'avais à 1 centime. Mais malgré que c'était 1 centime, je le renvoie parce que bah, le portefeuille a du mal à rentrer dedans, alors qu'il est comme ça, mais la fermeture éclair, elle est comme ça. voilà. Les seules choses qui étaient bien, c'est que je m'étais pris un pyjama et vous savez, ça là. Une brassière, un soutien-gorge brassière, moi je mets que ça. J'avais peur pour les tailles, mais j'ai vu qu'il faisait pour grande taille, donc j'ai dit, allez, on va tenter. Et ça allait, ça allait. Voilà, donc c'est top. Mais du coup, je suis déçue pour le pull à chouchou. Alors j'ai fait, je t'en recommande un. Il me fait, non, non, il dit, on est recherché au magasin. Alors du coup là j'ai préparé le colis, je vais aller me déposer ben, lundi au Mondial Relais en allant chercher mon pain. Et voilà. Et là, lundi on est combien les enfants? Ah, lundi on a le vaccin. Oui. On a le vaccin, on se fait vacciner à la pharmacie. On a notre vaccin pour la grippe et notre vaccin pour le Covid. Voilà, on le fait tous les ans. Comme ça, on est tranquille. Et l'année dernière, on n'a pas été malade du tout. Voilà, et puis c'est très bien. Donc, lundi, picouze. Voilà, bon, bah, alors là, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Donc, ce que je vous disais pour le Vinted, bon, je l'ai dit, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, de toute façon. Dès que j'ai tout remis dans le Vinted, là, je vous mettrai déjà le lien, parce que je crois qu'il reste des choses d'avant dans mon Vinted. Je crois qu'il reste des choses d'avant, donc vous pourrez quand même aller regarder. Je vous mettrai ça dans le. Qu'est-ce qu'il y a? Il sent pas bon, hein, le sac, à maman. Non, le sac de crochet, ils sont pas bons. Hein. Les filles, elles viennent de renifler. vous pourrez déjà aller voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Et voilà. Bon, je vais pas plus loin. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.